Du coup, on est là. Comment on fait? Que vous avez besoin d'un rendez-vous psy, monsieur. Mais je vais te baiser ta race, toi. Comment ça, je vais un rendez-vous psy? Vous avez pas eu des événements traumatisants dans votre jeunesse? Attends, je suis à deux doigts. Là, t'as vu là? Là, je reste calme. Mais là, je suis à deux doigts de te bouffer la bouche, quoi. Oula. Non, mais genre. Ouais, j'ignore, c'est moi, quoi. Mais ça fait longtemps, Royo. Oh, ouais, ça fait longtemps, Mechanis, t'es devenu. Quoi? Ta gueule, là. Même pas ça dit bonjour et tout. Puis, tiens, ça raconte quoi alors? Ça va, on est là, tu connais, on... Ah ouais. Bon, on est ensemble, on est ensemble. Vas-y, viens. Prends ma voiture. Hein? T'as une voiture, toi? Non, mais c'est pas ta voiture, ça. Non, c'est pas ta voiture. Sors une voiture, Hannes, toi. Mais j'ai pas de voiture, je te jure. Attends, je regarde. J'ai même pas de voiture. Mais putain, mais c'est la hesse. Vas-y, j'ai que ça, vas-y, ça dépanne, ça, vas-y, viens. Quoi? Vas-y, ça dépanne, c'est bon. Vas-y, laisse. Ça dépanne, ça. Ah ouais, faut mettre une ceinture, là, c'est pas, on est pas sur. Vas-y, je vais aller voir le shérif, je vais déclarer mon arme. Attends, je veux voir si quelqu'un a pensé à moi. Oh là, y'a que la proc. Bonsoir, monsieur René, j'ai besoin de vous parler, dites-moi quand vous serez disponible. Oh là, y'a que elle qui m'a envoyé un SMS. Ouais, Mathieu. Mais non, mais vas-y, t'es encore en vie, vas-y, je suis dégoûté, là. Comment ça? Putain, Octavia, il a encore en vie, ça me dégoûte. Ça y est. Et l'SPD, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, ça va, dites-moi, comment puis-je vous aider? Ça va super, c'est Mathieu Hanez à l'appareil. Dites-moi, est-ce que vous avez vu la procureure dans les parages? Elle a besoin de moi et moi j'ai besoin d'elle, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez rendez-vous avec la procureure, monsieur? Tout à fait, monsieur, ouais. Elle a votre numéro, vous avez son numéro? Bah, mais pas que, hein. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, voyons. D'accord, ouais, je vois, d'accord. Mais voilà. Écoutez, je vais lui dire de vous appeler, d'accord? Bah, merci beaucoup, monsieur, ça fait plaisir. Pas de soucis. Au revoir. Attends, faut que je te montre ma maison après. Non. C'est une nouvelle maison. Non. C'est. Ouais, tu sais conduire, t'as le permis ou pas toi? Non, j'ai pas le permis non. Mais ça se voit? Ouais, ça fait longtemps. Je conduis des chevaux d'habitude. Là, j'ai. Comment ça? J'ai plus l'habitude, quoi. Comment ça, des chevaux? Non, d'habitude, là, en ce moment, je suis dans un ranch. Attends, la proc, elle me rappelle. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, c'est Mathieu Hanez à l'appareil. Oui, bonsoir, monsieur Kamez. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Comme on dit chez nous, Alhamdulillah, God bless America. Allah bénisse l'Amérique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Kamez? Écoutez, j'ai lu votre dernier SMS, donc je vous rappelle pour ça. Dis-le, on va l'avoir. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que je disais dans mon dernier SMS? Ah, parce que j'ai passé pas mal d'appels. Alors, dans le dernier message, vous me disiez comme quoi vous mouriez d'envie de me voir et il y avait une photo que j'ai pas très bien compris. Une photo? Ouais. Que j'ai eu du mal à décrypter, quoi. Comment ça, une photo? Une photo avec des vêtements, une position, voilà, une opinée, quoi. Voilà. Ah, bah écoutez, je suis très surprise là. Ben, moi de même, j'étais très très surpris. Hein. Très très, sachant que vous êtes marié, alors ça m'avait vraiment grillé, quoi. Tout à fait. Bah écoutez, j'ai dû me tromper de numéro, monsieur Canez. Hein. Non, parce que c'était bien, monsieur, vous avez bien dit monsieur Hanez dans le SMS. Et en gros, vous voulez me voir par rapport à une affaire. Vous avez besoin de mon aide. Ah, bah écoutez, je vous avais appelé il y a un petit moment. Ouais, il y a 14 jours, ouais. T'as vu, on est en code noir actuellement. Comment ça, en code noir? Bah écoutez, la ville est en code noir, disait la presse, monsieur. Raciste de fou. Ça, c'est raciste de fou, ça, code noir. Pourquoi pas code blanc ou code beurre ou code jaune? Pourquoi code noir, comme par hasard? Le code noir est le code le plus puissant, donc je vois pas en quoi il est raciste. D'accord. Et du coup, vous avez besoin de moi par rapport à quoi? Vous voulez que je nettoie la ville de toutes ces vermines? Il n'y a pas de souci. Ah oui, aucun souci. Oh alors, avec plaisir. Bah écoutez, j'étais à la recherche d'informations concernant les épouvantables, donc Je m'y connais. Ah oui? Ouais, je connais quelqu'un qui les connaît extrêmement bien, il est juste à côté de moi. Ah bon? Comment il s'appelle? Hein? Junior Jackson, il les connaît comme sa poche. Ouais, je les connais, ouais. Ouais. Écoutez, si vous avez des informations à me transmettre, je suis preneuse. Écoutez, je suis preneur aussi. Parce qu'hier, ils ont pris en otage une dizaine d'agents. Ils ont voulu forcer des agents à me trancher la gorge. Écoutez, on peut se voir dans votre bureau si vous voulez. Ce soir, ça va être très compliqué. Comme par hasard. Ah bah oui, j'ai des opérations en cours là. Des opérations chirurgicales ou? Non, vous êtes très bien comme vous êtes, même si vous êtes un peu vieille, c'est pas grave, hein, je veux dire. J'accompagne la police dans des opérations là, donc ça va pas être possible. D'accord. Bon bah écoutez, une prochaine fois alors. Hein. Une prochaine fois, oui. Donc à 12 jours alors, prenez soin de vous. Très bien. Au revoir. Au revoir. Wow. Bienvenue dans mon humble d'humeur. Wow. Tu vois ça? Ouais, incroyable. Ouais, mais attends, mais viens, c'est pas fini. Allez, ramène-toi, on fait une soirée piscine, toi et moi. Vas-y. Ça te dit?
Vas-y. Vas-y, ben mets-toi en maillot. Regarde, regarde, plonge, chauffe, chauffe, plonge, chauffe, 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 chauffe. Pour le mais Maroc non. Pour l'Algérie. Le plat que j'ai fait. Vas-y, fais un plat, fais un plat. Let's go. Regarde, on va faire un braquage pendant le code noir, t'es chaud ou pas? Vas-y. Bah vas-y, allez, reviens. Ouais, mais hey, on est mort, si nous attends, on est mort. Mais non, t'inquiète pas, gamin. J'arrive pas. Waouh! C'est bon, j'ai réussi. Et t'es où? Je suis là. Et sors de là. Ça veut plus. Moi aussi, ça veut plus. J'arrive plus, j'arrive plus. Attends. J'arrive plus, yes. Tu peux me relever? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Donne-moi ta main. Ouais, donne-moi ta main. Tiens, j'arrive pas à revenir. Bizarre ça. Non, mais regarde, mais qu'est-ce que je vais faire? On me dit que je suis trop lourd. Oh, laisse tomber la galère. Ouais, J'ai jeté une perceuse. Mais regarde, c'est pour faire le braquage. Ouais, c'est toi qui me l'as mis. Eh oui, je l'ai donné. Mais c'est à cause de toi, regarde, que j'arrivais plus à remonter, putain de merde. Mais va la prendre, elle va rouiller. Les gars, je vais faire un braquage avec un mec comme ça. Let's go, braquage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de braquage en plus. Je vais te donner la perceuse, Roya, d'accord? Mais Roya, j'arriverai plus à courir. Et non, mais en fait, vite tes poches, Roya, vite. En fait, c'est à cause de toi. Mais moi, je savais pas, Roya. Ça, je vais manger. Ça, j'ai un gun, j'ai un colt. Qu'est-ce que je lui donne? 18 trucs de peinture. Ouais, c'est quoi des 24 éponges et tout? Roya? On va faire la plonge ou on va faire un braquage? T'es en train de te parler là? J'ai 24 éponges. Je vais nettoyer des vitres aujourd'hui ou c'est comment? Roya, tu m'as ramené ici pour te faire le ménage? Je jette. Wesh, tout ce qu'il m'a mis. Wesh, oh putain, en plus, il m'en... Oh là là, il dissait. What? Oh non. Quand j'ai rentré le nombre. Star pour le voir. Voilà une galère, voilà une galère. Oh non. Il a changé de touche. Ouais. Oh, y'a que des problèmes. Moi, c'est grave, mais c'est grave. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, au lieu de se laisser tomber, je l'ai mis sur la touche 1. Allez, c'est bon. Il est con. Voilà, il est con. La carte flicka, elle est dans ton portefeuille, d'accord? Elle est pas dans tes poches. Ah, ok, d'accord. Attends, bah. C'est moi qui fais la carte flicka. Ouais, ah oui. Ah non, ça va pas se passer. Mais j'en ai plein, t'inquiète. Tu veux 20 cartes flicka si jamais tu... Oh non. Attends, on va d'abord acheter une nouvelle voiture. Et on va changer les plaques, d'accord? Ouais, c'est bon. Allez, viens, Roya. Roya, on va réussir. Un braquage d'anthologie. Ah ouais, là, je suis très très chaud. Tiens, j'appelle juste quelqu'un là vite fait. Vas-y. Oui, allô. Oui, juste pour vous dire que je vais faire un braquage du flicka. Bonne chance à tous. Bon courage. Ah bah écoutez. Allez hop. Voilà. Voilà. Et croisez-moi. Eh, ils sont pas tombés sur un os, ils sont tombés sur un putain de squelette, mon pote. Voilà, hein? Qui s'appelle Prince. Eh ouais, mon con. Comment ça? Ils sont pas tombés sur. Allez, je connais un raccourci, Roya. Quoi toi? Regarde. Hop là! Épaté, Roya? Et puis quoi, c'est que le début? Eh ouais, gamin. Allez, on la retente celle-là? Jamais. Oh, fils de. Regarde. Hop là! Allez, jamais 203. T'es prêt ou pas, Roya? T'es prêt? Non. MS! Attends, c'est la. Tac! Regarde. Hop là! Voilà, là on est bien là. Voilà, on est venu acheter une voiture. Là, on est super bien là. On est venu acheter une putain de caisse. Tu parles aux gens cagoulés et tout. Voilà, c'est bon. Ça y est, bah non, si t'es pas de la police, j'avais pas mon masque. Voilà, Junior. T'as interdit d'avoir un masque ici dans le truc. Écoute-moi bien. Code vert. Ici, je suis chez moi. Là, ça c'est mon bénisse. Ça c'est mon putain de bénisse. Attends, bouge pas. Va te régler avec lui dehors. S'il te plaît, que t'enlèves ton masque. Voilà, eh non, allez vous régler dehors en vérité. Eh, parle bien. S'il te plaît, mon gars. Non, Junior, t'énerve pas. Non, Junior, t'énerve pas. Là, il m'a dit s'il te plaît. T'es dans la merde. Oh la vache, oh putain. Voilà, là, il m'a dit s'il te plaît. Vas-y, force. Allez, gamin. Force. Oh putain! Comment non. Ça, oh putain? Ouais, ah, je vais péter baiser. Un câble! Oh, on va les péter un câble! On va vous baiser! Putain. Un câble. Attends, on va vous baiser! Mais wesh, mais attends, mais je sors de l'écurie, vous me pétez mon cheval, vous êtes sérieux là? Messieurs, c'est pas un cheval, c'est une voiture! Il y a 800 chevaux là-dedans! Ranez! Vous avez besoin d'une réparation, messieurs? Quoi? Ranez, c'est pas un cheval là! Non, mais je regarde le western en ce moment, c'est pour ça! Ah oui, bah oui! Le western, il y a. Comment t'as les. Ah, mais c'est lui qui nous a foutu Habs! Monsieur Foxito! Ah oui, c'est vous qui courez dans tous les sens, vous m'avez dit raté, je me rappelle. Eh, on va faire un braquage du flicka là. Bonne barre. Voilà. Ouais, on vous le dit comme ça, on vous l'annonce. Mais non, okay, on rigole, c'est pas vrai. Rigole. Vous serez combien?
On sera la modique somme de 2. De 2. D'accord, ouais, d'accord. Bah écoutez, ce sera très facile alors, d'accord. Sachez que je mettrai sûrement derrière sur le côté droit, d'accord. Mais bon, vous êtes pas censé savoir. Ouais. Roya, bon courage, hein. Ouais, prévois hélicoptère, fusée et tank. Voilà, parce que là, t'as les meilleurs des pilotes. Ah bah écoutez, sincèrement, monsieur, je vous mets au défi, vous en orange. Imaginons dans un monde parallèle, si vous devez faire une flika, de prendre le volant, d'accord. Pour rigoler un peu. Mais ce soir, il va prendre le volant. Non. Bah si, c'est pas moche, monsieur. Mon con, je te jure, ce soir, tu vas prendre le volant, gamin. Ah mon con, alors la première virage, on est mort. Mettez une voiture, vous aurez rien de. Ah, bref. Bon, on va acheter une voiture. Allez, let's go. Bon. J'ai un plan de fils de pute. Non. Ouais. C'est pour ça qu'avec toi, je suis bien. On va rouler. En fait, tu vas rouler. En fait, on va leur faire croire qu'on est éclaté, d'accord? D'accord. Et en fait, j'ai un hélicoptère. Non. Ouais. On va rouler jusqu'à l'aéroport. Ouais. Et on va se barrer let's dans les go airs. Tu sais qu'on est un hélicoptère là? Ouais, si, chez ça. Vas-y, bah, toi qui va conduire, vas-y. Et là, c'est toi qui va choisir la voiture. Hein. Vas-y, là, choisis la voiture. Let's go! Eh, ton maillot, il est trop beau. Allez, choisis. Ah, ton maillot, il est trop beau. Voilà. Je te le donne si tu veux. Non, vas-y. Hein? Ouais, je te le donne. Mon, t'es trop beau. Oh ah, ouais. Voilà, merci. Ouais, voilà, rien, incroyable. Incroyable. Allez, let's go. Allez, qui choisit? Ouais, ça passe. Mais t'es un baiser, toi. Il y a de la place pour moi. Mais tu veux me faire retourner au Far West avec ça ou c'est comment? Mais c'est un baiser, lui. Je sais pas, je propose, moi, je propose. Non, mais attends, je suis pas venu du Far West pour rouler avec ça, moi. Voilà. Ouais, j'ai mis... Celle-là, elle est bien. La Cinque Mille. Allez, c'est bon. Ouais, on prend celle-là, elle est belle. Ou bien celle-là, la Buffalo. Oh, ouais, celle-là, elle est plus belle. Tu l'avais en quelque sorte. Ah, ouais, comme ça. Attends, je te donne l'argent. Elle est incroyable. Mais faut que tu les mettes sur ton compte, regarde. Allez, monte, on y va. Non, ma voiture. Ah, viens, on y va, viens. Ah viens, on va la réparer là, viens. Mais t'étais où? Non, ma caisse. Mais ma pourquoi caisse. T'as fait tout le tour, rien? C'est la route que je connais. Ah d'accord, vas-y rentre. Mais devant. Mais ah, devant ma voiture. Rentre. J'essaye. Là c'est bon là. Vas-y rentre. C'est pas moi qui paye hein, c'est Junior. Hein? Junior, fais-toi plaisir. C'est quoi que j'entends là? C'est les familles, ils savent pas se garer. Mais ils savent même plus à qui ils donnent le permis hein. Non mais c'est grave. Moi franchement je serais toi, je les aurais embrouillés. Je les embrouille? Bien sûr, croyant. Ah, on a pété. On se Far West, gamin. Je suis pas content. Bah c'est quoi, boy? Vous rentrez comme ça, comme ça là. Vous rentrez, vous avez cru ici, vous étiez chez votre daronne, c'est pas comme ça ici. Ouais, tu l'as dit bouffé hein. Junior, sors les crocs Junior. Ah, je vais vous mordre hein. Écartez-vous. Ah, je vais en baiser. Allez, sortez, réglez-vous. Non, je vais vous le consens, Oui, vas-y, viens. Elle est à moi. Fais-toi plaisir, fous tout. Ouais, tu blindes tout, sauf les suspensions, d'accord? Non. Premier truc que t'as touché. Putain. C'est pour que je remarque la différence. Ah, bien sûr, je remarque la différence. T'es malade ou quoi? Néon aussi, néon orange. Et tout. Allez, ça va. Écoute. Mais le truc le plus ringard possible sur la caisse, d'accord? Comment, genre? Le truc le plus éclaté au monde, d'accord? Vas-y, elle a qui? Elle est à moi, c'est moi qui paye, t'inquiète. Mec, je peux avoir du taf pour vous. Incroyable. Mais je suis un gérant de four, les f***, vous savez. Je cherche du taf ici. J'ai un négatif, je suis à moins 25 000, je suis allé à moins 25 000. Ah ouais? Bah vous allez travailler pour moi, les mecs. Vous allez travailler pour moi. Regardez, je vous montre juste un truc. D'accord? Je vous montre juste un truc que vous allez même pas avoir, d'accord? Junior, arrête de parler, nique-les là. Ok, je vous baisse. Tu vas te battre, toi, c'est normal. Voilà! Oh, il y a ça par des lames! Vas-y, mélange-les! Vas-y, Junior, vas-y! Mais les enculés! Oh putain! Je suis obligé, toi, va dormir, fils de vieux alors! Viens là, toi! Ah mon gars, tu connais pas moi! Bien sûr, je te connais, wesh! Oh, tu es baisé lui ou quoi? Oh, tu es accouché! Wouah! Ouais, ça c'est un pouvoir spécial, Roya! Voilà! Ça va les mecs? Bah, allez, c'est bon, relevez-vous là, on fait des allez, bagarres, c'est bon, vas-y! Allez, c'est bon, relevez-vous quoi!
Non mais relevez-vous les mecs là, c'est bon. C'est bon les mecs, quoi, c'est bon. Ah là, c'est bon. C'est bon les mecs. C'est bon, c'est bon. Les gars, vous êtes quoi là? Poutou, il a la jambe d'acier. Allez, c'est bon. Vas-y, c'est votre grand. Vas-y, descends ta voiture, Squatton de l'azato là-bas là. Descends de la voiture, descends de la voiture. Moi c'est Mathieu, moi. Je vais te faire du sale comme j'ai fait à tes petits. Comme j'ai fait à tes petits, je vais faire le match. Reculez. Non, parle pas comme ça, ma gueule. Les petits, allez dans le véhicule, on va partir là. Vous avez une mission à faire. Désolé, monsieur, désolé. Excuse-moi. Désolé. Clochard, va. Sale chien. Cours. Là, je suis à ton niveau. Avec mon Glock, là on fait quoi? Je vais te faire canner ma gueule. Là, fais gaffe, comment tu traites, tu ouais, désolé, là, pardon. Désolé. Mais vous êtes qui? Mais toi, t'es qui, toi? Pourquoi je suis qui, moi? Bah, t'es qui pour avoir un Glock comme ça et d'être un mec mystérieux et dangereux comme ça? Bah, y'a pas de mec mystérieux, c'est moi qui gère le quartier des familles. Et voilà, d'accord. D'accord, okay. Ah, toi, t'es un réfé en fait. Ouais, bien vu, ici on dit OG pour les familles. Vas-y, big up alors. Vas-y, big up. Clochard, va. On a peur ou quoi? On y va. Culé, va. Tu crois que je t'ai pas entendu? Hein? On n'a rien dit, hein? Rien dit, wesh. De toute façon, tu vas faire quoi? Vous allez faire quoi? Mais de toute façon, vous allez faire quoi? Vous avez baisé. Je suis un balas de merde, tu vois. Ouais, je suis un balas. Vas-y, dégage, casse-toi. Clochard, va. T'as bien baisé, hein? T'as vu? Mais j'ai mal, hein? T'as vu? Oh, c'est une voiture, t'as les. Non. Qui lui a dit de faire ça? Je vais niquer. Hey! Excuse me! Attends, je passe sous un tunnel, bouge pas. Junior, tu m'as fait quoi ma voiture là? Junior, il est prof, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Non, il fait des tests! C'est pas la version finale ça! Non, mais j'espère que c'est pas la version finale mais ça! Non, mais bien sûr que non, c'est pas la version finale, c'est malade ou quoi? Hé! Ma voiture! Non, les gens, t'as plus sa mère! Non, hé! Hé! Beau gosse! Allô? Ouais. Ouais, change-moi les gens, change-moi les gens dans ce bébé. Non, bah c'est professionnel, c'est un stagiaire ça. Ouais, ça va. Attends, mais c'est quoi cette voiture? Viens, on va embrouiller les autres là. Il t'a roulé dessus le mec tout à l'heure là, viens. Qui m'a roulé? Ah ouais, c'est vrai, le mec là. Moi j'ai de l'argent. Attends, il est où? C'est un baiser lui ou quoi? Attends. Reste à ta place. Écoute-moi bien, sale bâtard, va. Toi, tu viens, t'es là, tu passes à côté de moi, t'as cru t'étais je sais pas qui. Si moi, t'es pas John Huick, d'accord? Je vais t'attraper par la barbe, je vais te manger. Oh. D'accord? La prochaine fois que tu passes à côté de moi, je t'arrache la tête. D'accord? Mais je vais pas d'engueulade au garage. Voilà. Toi, ferme ta gueule, toi. Toi, ta gueule. Calmez-vous, t'es avec lui, là. Non, je suis énervé. Il a baisé ma femme. Dès que tu sors, c'est ta mère la pute, toi. Dès que tu sors, toi, t'es mort. D'accord. Je baisse des putes de temps en temps, mais j'ai baisé votre mère. Mais Junior, il y a peut-être moyen parce que je l'ai croisé à l'unicorne, ta maman, incroyable. Ah ouais, je vais le baiser. Viens dehors. Fais ce que t'as à faire, viens dehors. Reste pas comme ça sur la voiture. Ouais, j'ai un problème. Ouais. Fais attention à toi. Parce que là, pyjama, là, je vais te balayer, tu vas dormir, réellement dormir. Vas-y, enlève. Il s'est fait son père qui m'a dit. Enlève. Junior, c'est pas mal de choses. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, Dreri. Junior, viens. C'est qui? Vas-y, attends, viens. Calmez-vous. Voilà. Viens. Après, tu vas baiser tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Au revoir. Je paye 45 232. La tête de ma mère, je paye pas. Voilà, je paye pas. La tête de ma mère, je paye. Voilà, je paye. Non, paye pas. Non, c'est quoi? Non, c'est quoi? C'est bon. Oh non. Bah, c'est bien comme ça. Ma voiture. Le meilleur. Non, bouge pas. Mais je veux la présentation complète. Attends, mais je la conduis même pas. Je la conduis. Hop, si, tu la conduis. Attendez deux secondes, s'il vous plaît. Monsieur, faudrait arrêter d'effrayer les clients, s'il vous plaît. Monsieur, si vous me cherchez, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Vas-y, à tout à l'heure, Robin Famas. À tout à l'heure, ma femme, elle m'a quitté. Au revoir, monsieur. Voilà, j'ai. On va le goûter dans son bar. Je suis désolé. Ok, mais calmez-vous quand même, monsieur. Ouais, je suis désolé. Junior, depuis quand tu es désolé, ouch? Je voulais désolé. Ouais, je te nique ta mère, toi aussi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Hein? Moi, je suis un baiser. Moi, je suis un malade. D'accord, moi, je suis un malade. T'as dit qu'il a pris son bouton, moi je devais un malade. Ok, t'as vu? Désolé, j'en ai rien dit. Non, la voiture, attends, qu'est-ce qu'elle a? Il présente la voiture. Je vais mettre pneu rose. Ah ouais? C'est pas drôle. Ouais. Super. Néon rose de tous les côtés. Néon rose, super. Intérieur, velours vert. Waouh, ouais. Vert rouge, comme le. L'Algérie. Comme l'aileron. Le Maroc, ouais. Oh non. D'accord. Roux pneu, regardez, quand vous roulez, ça fait un dollar. Non, c'est super beau, ça j'adore. Ça montre que tu fais tourner l'argent. Voilà, et pas que l'argent, incroyable. Ouais, tu vois.
coffre ouvrable de baiser. Wouah, j'avoue. Coffre ouvrable de baiser, c'est moi, je vais te baiser. Voilà. C'est moi, je vais te baiser. Super. Coffre ouvrable de baiser. T'es malade. T'as tout baisé, t'es un bon. Moi, là, je la conduis pas. Crâne, je la conduis pas. Allez, monte. Sa mère. Ouais, C'est quoi ton nom? C'est Rico. C'est le meilleur, Rico. J'ai même envie de dire Cocorico là, parce que là, t'as rien de quoi. Croya. Croya, écoute. Hein? De quoi? Oh là là. Attends. Oh là, ça va être une dinguerie ça. Montre. Hop là. Oh, j'adore cette voiture. Comment on conduit là? Alors, tu veux la conduire maintenant? Mon capot. Mais non, c'est bon. Voilà. T'as dû tirer? Non. Ouais, non. Jure? Non, ça tire pas ici. Ouais, ça tire pas. Ah bon? Non, ça va pas tirer. Ah, on m'appelle. Ouais, allô? Attends, t'as vu tout sur ta voiture? Ouais, j'ai quoi? Parle au téléphone. Non, il parle au téléphone. Attends, c'est un coup au téléphone, désolé. Excusez-moi. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, bon courage, salut le mec. Vous baise. Vas-y, dis-leur qu'il repasse tout à l'heure. Dis-leur, ouais. Vas-y, dis-leur bien, on les baise. Ces enculés là, Zerma, ils font des mignons. Voilà, allez hop. Ouais, allô? Oui, non, vraiment. Oui. Bon, attends, mais faut que tu reviennes, faut que je t'enlève les tourelles. Faut que tu m'enlèves les quoi? Les tourelles. C'est quoi ça? C'est avec ce quoi tu tires, genre, tu viens de passer. J'ai pas tiré, hein. Ouais, frérot. Moi, je repasse au Benny, s'il te plaît. Alors, tu me donnes de l'argent? Bah, je vais te payer le fait de les enlever, bon. Ouais. Ah, vas-y, je t'attends au Benny, vas-y. Il est trompé, monsieur, c'est pas moi. Je la connaîtrai parmi mille, cette voiture. Non, mais on l'a volé. Dégage. Dégage. Il voulait quoi? Je sais pas, c'est un autographe. Ah bah ça va. Eh, tu veux prendre l'hélicoptère ou un avion? Comme tu veux. Non, comme tu veux toi. Un avion c'est bien. Vas-y, c'est bon, je l'ai sorti, il est là. Ouais. Allez viens, on va à l'hôpital. Vas-y. Il va rester, j'espère. Ah voilà, s'il est plus là, je banne toute la ville. Qu'est-ce qui se passe? Parle très bien, monsieur. Il s'est fait mêler par des familles, voilà. Mets-moi de la pommade. Junior, ah, suivez-moi. Attention, il a pas pris ses cachets, monsieur, il est agressif. Hein. Allez, c'est bon. Nickel. Bah merci, monsieur, ça fait plaisir. Y'a pas de quoi. Vous appelez comment? Icor. Hein. En fait, son père, il a abusé de lui quand il était petit. Oh merde. Il lui mettait des carottes, des boules, des guirlandes. En gros, c'était lui la dame qu'on se farçait, quoi, à Noël. Ah, quoi. Purée. Oh, les enfoirés. Non, c'était pas les enfoirés, c'est rien à voir avec les spectacles. Non. Ok, ça marche. C'est dans la farce, quoi. Non, lui, c'est un enculé, c'est pas la même chose. Là, t'es en train de fumer dans un hôpital. Et alors? C'est bon, ils pourront plus vite me soigner, quoi. Ah ouais? Comme ça, je chope un peu la voix grave, tu vois ce qu'il veut dire? Comme ça, quand il y aura. Quand il y aura le Far West, il y aura une voix grave, quoi. Ah ouais, c'est bien, ça. T'as pas de clope? Tu veux une clope, gamin? Non, je. Ouais, vas-y, donne-moi une clope. Ah oh, ouais, ça se met bien, mon salaud. Oh, super! Ok, je suis de retour pour le jeu de mauvais tour. Pas venu. Du coup, on est là. Comment on fait? Que vous avez besoin d'un rendez-vous psy, monsieur. Mais je vais te baiser ta race, toi. Comment ça, je vais un rendez-vous psy? Vous avez pas eu des événements traumatisants dans votre jeunesse? Attends, je suis à deux doigts. Là, t'as vu là? Là, je reste calme. Mais là, je suis à deux doigts de te bouffer la bouche, quoi. Oula. Non, mais genre. Non, recule. Mm-hmm. Non, pas. Viens là, toi. Recule. Ça, des antécédents et tout, et je. Non, des événements marquants pendant votre enfance. Mais t'as cru que je me suis fait violer ou c'est comment? Tu me parles comme si j'étais. Non, moi je vous demande. Non, mais parle bien. Oui, crache le morceau. Parle bien. Mais vous êtes fou ou quoi? Il est fou. Parlez-lui de son père et tout. Allez, on y va. Je sens quand même que ça vous irrite au plus haut point. Comment ça, ça m'irrite au plus haut point? C'est pas anodin quand même. Comment ça c'est pas anodin? Là tu t'emploies des termes du Far West là, comment ça c'est pas anodin? Attention à ce que tu dis. Je vais t'attraper, je vais te cogner. T'as vu là je t'ai manqué de respect, mais avec tes grosses chaussures de sécurité, là je vais te cogner, d'accord? Les chaussures de sécurité c'est pour pouvoir taper un peu plus, pour que ça fasse un peu plus mal quand on vous tape dans le cul. C'est des menaces? Attends. Non, fallait pas lui parler du cul, Attends. Attends. Parle-lui de son père. Attends. Regarde, ouais, c'est pas que je suis un baiser, moi. Ouais, je suis un baiser, moi. Vous êtes un baiser? Ouais. Ah bah, je vais te baiser. Ça, on le sait que t'es un baiser, hein. Je lui ai dit, hein. Je lui ai tout avoué, hein. Comment ça, tu as tout avoué? Par qui? Hein? Je sais pas, vous dites que vous êtes un baiser, mais ok, un baiser par qui? C'est bon, ingénieur, avoue tout, quoi. Comment ça, j'avoue tout?
Comment ça, c'est à vous tout? Junior, t'es dans un déni de grossesse là. À vous tout. Comment ça, c'est monsieur Évite de mettre tes mains derrière le dos comme ça, évite. Ouais, ça lui rappelle des. Ouais, il faisait pareil. Évite. Hein? Il faisait pareil, ouais. Il faisait la gauche ou la droite? Après, ah, eh ben non, c'était celle des milieux. Hop là. Qui faisait pareil? Attends. Tu te rappelles pas? Junior, on a dormi ensemble hier et dans ton sommeil, tu parlais. Tu m'as raconté toute ton enfance. Je peux te dire que t'en avais des vertes et des pas mûres, mais surtout des bien durs, hein. Comment ça? Comment ça? Ouh là là. Bah, je pense qu'effectivement, il faut un rendez-vous à psychiatrie, quoi. Bah ça, ouais, on pourrait avoir votre carte d'identité, monsieur. Ça, ma carte d'identité. De toute urgence, hein. Vraiment le premier créneau, quoi. J'ai l'impression que c'était basketteur. Voilà. Ça marche. C'est un faux basketteur. Vous voulez. L'énervez pas. Vous êtes bien tombé, vous. Il va vous baiser, c'est tout. Vous êtes bien tombé, vous. On est à l'hôpital là, je vais vous baiser tous les deux. Mais comment ça, baiser? Ah, en brochette. Je vais vous baiser, je vais prendre ma. Je vais te. Ça va mettre les dents, t'es pas prêt. Hein? Vos disponibilités? Tout le temps, c'est un chômeur. Hein? Tout le temps? Ouais, la journée, l'après-midi. Bah, c'est tout bon pour moi. Vous avez tout. Pas parfait, bah merci monsieur. Oui, madame Lafont. Oui, allô. Oui, excusez-moi, c'est pour une question importante. Imaginons que en fait j'ai un ami à côté de moi. Bon, en gros, est-ce que c'est possible que mon ami porte plainte parce que, en gros, quand il était petit, il s'est fait harceler et il s'est fait agresser sexuellement par son papa? Est-ce que c'est possible de porter plainte de manière rétroactive ou pas? Bah, le problème, c'est que le code pénal. Attends quoi? Rennes, tu parles de qui là? Attends, Junior, t'inquiète pas, j'explique ton cas à la proc. Mais t'es en train de m'inventer une vie là? Bah oui, du coup, c'est volant. Attendez, je vous rappelle. Ouais, rappelez-moi parce que c'est urgent, merci beaucoup. Et bon, t'inquiète, ne stresse pas, couille, elle va me rappeler, t'inquiète. Mais depuis quand mon daron il m'a baisé? Ouais, c'est ce que tu as dit. Mais t'es fou? Mais ouais, mais t'es un baiser, mais j'espère que ma daron elle regarde pas là. Mais. Attends, mais. Non, mais là c'est Junior, croyant. Comment je vais expliquer ça à ma mère avec c'est Junior? Moi je vais expliquer, c'est pas Junior, c'est Junior, ma daron. C'est Mathieu là, c'est Mathieu. Ouais, mais comment je vais expliquer ça à ma daron? Mais tu dis c'est du RP, c'est du roleplay. Ah ouais, maman de prince, vous inquiétez pas. C'est rien, c'est la rue, c'est la vraie. Vas-y. Des otages. Ouais, croyez, attends. Oui? Oui, donc je vous disais, actuellement le code pénal, on peut remonter jusqu'à 90 jours. Après, il m'est possible de remonter, de réouvrir une vieille affaire, mais il va falloir des preuves. Ah, il faut des preuves, d'accord, ok, 90 jours. Ah oui. Junior, il t'a pas touché il y a moins de 90 jours, ton papa, non? Par contre, je vais vraiment devoir vous laisser parce que la situation est assez compliquée. Non, il y a pas de soucis, ça marche, allez, tout de suite. Enfin, salut, bonsoir. Dites-moi, il y a du monde là au commissariat là de Michel Roux? Non, pas pour l'instant, monsieur, je suis désolé. Ah, vous êtes sur des grosses affaires? Oui. Jusqu'à quelle heure, hein, papa? Parce que c'est pour carte d'identité, tout ça. Vas-y, c'est pour ça. Là, ça va être compliqué jusqu'à au moins une heure, je pense, avec mon sorti. Ouais. Ah d'accord, ok, ça marche, bon courage. Ok, juste... Ah, regarde, une heure. Quoi? Ah ouais, une heure. Une heure. Mais t'as pas vu les blindés qu'ils avaient? Si, j'ai vu. Ouais, je sais pas, ils vont où là? Ah, regarde, je sais pas du tout, on va pas te dire en vrai. Je suis dégoûté. C'est pas grave, t'as une nouvelle voiture, regarde. Tu veux une maison? Non. Tu veux une maison? Non, je veux pas de maison. Allez, c'est moi qui régale, allez, hop. Non, je veux pas de maison. Attends, laisse-moi conduire. Non, par contre, je veux pas de maison. Non, mais s'il te plaît, Khanez, s'il te plaît. Khanez. Ils sont là. Vas-y. Ouais, non, mais donne-moi un peu d'argent juste pour remettre des trucs bien dans ma bagnole. Ah ouais, d'accord, donc bijouterie. Nous on s'est fait baiser en fait. Je pense qu'il y a des morts RP là. Ah, ok. Il y a des têtes qui vont sauter là. Ouais, des têtes qui vont péter, royal. Je vous laisse tous, vous partez. Franchement, vous partez tous, on s'en bat les couilles, on vous suit même pas. Vous laissez les otages, vous barrez. Sinon, on lance l'assaut. Ok, ça marche, bah on fait ça alors. On se barre. Écartez les B4 devant la bijouterie. Il a dit juste en haut. On s'en va, promis, on s'en va. On laisse les otages là et on part. On laisse les otages, on s'en va. Oui, on s'en va, promis. Ah oh ouais, le coup de pression. Oh, je pensais que c'était Bork Anderson, j'ai flippé. Je voyais Baker Anderson. Les gars, si on fait un braquage, on est mort. Hein. Mais je te jure, on va le faire. Ils avaient l'air tendus, les flics. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ils avaient l'air tendus de fou en vrai. Hein. Comme tu veux, comme tu le sens. En fait, les flics, ils leur ont dit ouais. Laissez les otages et barrez-vous, sinon on lance l'assaut. Ah ouais! Je sais pas ce qu'ils ont, les flics. Hein. Je sais pas ce qu'il y a en plus. Et le retour du code noir et tout, je sais pas, il y a des dingueries en ville. Hein. Nous avons perdu le capitaine adjoint. Ouais, le capitaine était pris en otage. Flaco, je crois, non? Et je ferai l'annonce moi-même du. Si, d'accord. D'accord, pas de soucis. Je fais l'annonce et j'annonce la mort de Riggs. Quoi? Merci. Bonne soirée à vous. Riggs? Merci. On va les mettre sous les verrous, vous inquiétez pas. Il se passe quoi, frère, là, avec code noir et tout? Ouais, Riggs il est mort. Non, je l'ai appelé en plus. Pourquoi il est mort? C'est la merde. Baby ils l'ont tué. What? Oui. Et pourquoi? J'ai pas vu ce truc.
C'est que je crois qu'il a, il voulait terminer et il a dit vas-y, je termine sur ça. Toute la police. Ah, moi je vais faire un braquage, mais j'ai vu, c'était en écharpe, c'était tendu de fou. Ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Parce que, mais en fait, regarde, on a perdu il y a 3 jours le capitaine adjoint, un sergent et aujourd'hui le commandant. Oh, il manque plus que le chef et meurt et on ferme l'essai. Et comment ça se fait? Pourquoi il a fait ça, Flaco? Parce qu'il en est mort, je pense que ça fait 2 ans et il voulait, voilà, il voulait souffler, déjà qu'il jouait plus à Chris. Là, voilà. Vous allez choper quoi, les baby drivers là? C'est le but, hein. Vas-y, croyez, bah bon chance alors. Hein. Et toi? Moi je vais faire des questions de voiture éclatée. Et que là le 27, il était avec Andrew qu'on a attrapé parce que c'est lui que la grosse tête qu'on a attrapé. Ouais. Et en fait il l'a pris, il a menotté tout le monde, il est parti, il a rabat avec et il s'est fait tuer. En bref, il était mis en danger de mort, que ses enfants étaient mis en danger, c'est pour ça qu'il a fait ça, t'as vu. Pour protéger sa famille et sa femme, ses gosses, tout ça. Allez, faut la trouver maintenant, voilà. Gamer, let's go. On va terminer le travail. Je savais que c'était un truc bizarre ce soir. Ouais, braquage annulé les gars, braquage annulé. Non, on pouvait pas. Ouais, petite question. T'as pas eu Andrew qui est passé à l'hôpital? Pas l'union. Bon, c'est bon là, ça va. Ça ouais, mais il est en blanc. Mais c'est bon, tu reviendras plus tard, tu vas te ruiner, croyant. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, c'est vrai, ça, c'est j'ai oublié. Allez, vas-y. Vas-y, après. Oh. Quoi, c'est vert? Le bas, c'est vert? Ouais, vas-y, laisse-le aller, c'est bon, je sais. Pas grave. 4050, là, ça me fait mal. Vas-y, prends ta voiture, je prends la mienne, croyant, elle est dehors. Quoi, là? Mais là c'est une dinguerie. Il y a une bombe qui a été déposée ou quoi? Je sais pas, je crois il y a une fuite, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Non, je pense que c'est un truc terroriste là. Tu penses? Oui. Attends, je vais appeler là. Moi j'ai vu personne, hein. Bien bronzé. Hein. Junior? Putain, il est où votre collègue? Bah là il est. Mais non. Bah, il est carbonara là. Oh putain de merde. Je pense pas que les airbags l'ont sauvé. Oh merci, ouais, merci. Putain, Junior, je pense que c'est les familistes qui ont fait ce coup là. Parce qu'on les a couchés tout à l'heure, c'est pour ça. Et ils nous ont dit on va vous retrouver, bande de salopes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-le, il est bloqué. Vous qu'il est la pété. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Moi qui l'a pété, monsieur, j'ai tout, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, on sortait mon nouveau véhicule et les deux véhicules ont pété, le mien et celui de mon ami, à la sortie des Bénises. Ok, ok, très bien. Je pense qu'il y a été une bombe, monsieur. Mais comment ça? Vous connaissez, vous pouvez examiner, non? Oui, bien sûr, examinez. Il est carbonara. C'est Junior, vous vous rappelez de Junior? Oh putain. C'est lui. Vous aussi, vous êtes fan de Lakers? La voiture, elle a explosé. Je crois que c'est les familles. Ils ont voulu le baiser. Parce qu'on les a couchés tout à l'heure, ils ont voulu se venger. Oh, c'est pas sur la bite qu'ils font faire des trucs comme ça. Mais c'est bien, on pourra parler de ton enfant, Junior, dans l'hôpital. Qu'on parle de mon enfance, toi arrête, tu me racontes lui. Tu vois, t'es dans le déni encore une fois. Ta gueule, toi, que tu parles de mon enfance. C'est dommage, j'étais super belle ta voiture en plus. Non, vas-y, j'ai envie de pleurer. Pas autant du haineux quoi. Non, j'ai envie de pleurer. Autant du haine quoi, ça me casse les couilles moi aussi. Comment vous sentez, monsieur? Bah là, ils sont brûlés là, monsieur. Franchement, voilà, j'ai mal. Je crois qu'il va falloir qu'on aille à l'hôpital. Ah ouais, là, je pense c'est 3 jours d'ITT là. Hein? Va falloir faire un contrôle technique. Ah ouais, clairement. Allez, monte derrière. Il y a du monde disponible pour une grève de peau? Grève de peau, t'as entendu? Comment? Grève de peau? Mais là, Roy, t'es un grand brûlé, là. Ah oui? Ah oui? Et qu'est-ce qui s'est passé? Roy, je sais pas. Je t'ai dit, je vais récupérer ma voiture. Il y a un mec qui m'a dit, ah, attends, viens, faut que je te parle. Je m'écarte. Bop! On a un brûlé. Tout était prémédité. C'est des fils de pute. C'est les familles, à mon avis, qu'on fait le coup. On va les chercher, on va les traquer, on va les biter, tu sais. Ah, je vais les biter. Bah, c'est quoi le truc avec mon daron? C'est quoi le truc? Roy, tu m'as raconté des dingueries. Hein. Ah ouais? Oh, laisse tomber, Roy. Quoi? What? Allez, ça part au bloc. Moi, ça part au bloc. Allez, bon courage, tenez-moi au courant. Ça marche. Ranès! Bon courage. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, monsieur. Vous êtes entre les mains des meilleurs EMS. Non, j'ai retiré une balle hier, mais j'ai pas fait de grève de peau. C'est toi qui vas le faire. Ok. Mais monsieur, c'est pas. Grève de peau. C'est pas. Faut pas donner ça à des débutants, c'est quand même une. On a tous débuté un jour, monsieur. Monsieur. Vous connaissez votre groupe sanguin? Endormez-moi, s'il vous plaît, endormez-moi. Est-ce que vous avez des élèves? J'ai pas d'allergie, j'ai rien du tout. Groupe sanguin? Groupe sanguin, vous connaissez? Non, mettez-moi de la morphine, mettez-moi de la morphine. Du général. Non. Ok, je vais vous mettre un masque avec un mélange d'air qui va vous faire vous endormir. Non, ouais, papa, vous allez compter jusqu'à 10. Arrête de me la mettre, papa, s'il te plaît. Hein? Papa, non. 2, 3. Aïe. Voilà. Et maintenant, tu vérifies en passant la cuisse s'il est bien endormi ou en faisant d'autres trucs pour vérifier qu'il soit bien endormi. Chatouiller sous les pieds. Alors, quoi, ce qu'on y a, pas quoi? La grève de peau et tout. Mais t'es un baiser, toi. Ça y est, là, ils sont en mode. Là, ils sont en mode. Là, je lui mets de la peau de quel poisson? La peau de.
Mais c'est quoi ça? Là, je vais dormir à la belle étoile, Roya. Tu m'as laissé dans un bourbier, là. Roya, l'autre, il lui dit, ah ouais, t'as pas appris tes cours? Et voilà, c'est grave ce qui se passe, là, Roya. Là, je suis en train d'assister vraiment à une opération, t'es à ça. Roya, tu m'as vraiment laissé avec des gens. On est pas sur un free access, gamin, là. Ouais, je te le dis. Hein. Ah oui, là, non, on est pas sur un free access, là, Roya. La scène, je suis là jusqu'à 6h. Ah oui, Roya, là. Un peu de pilapia. Là, il t'a mis de l'eau pilapia. Voilà, bah d'accord, t'entends en même temps. Ok. Écoute. Ensuite, tu lui mettras sur les plaies moins brûlées des tulle gras, puis après un filet. Ah ouais, t'as bien. Ah ouais, du gras et un filet, t'es devenu un poisson, Roya. Ah ouais, mais Roya, c'est ça que j'ai dit, Hutman. Là, je vais sortir, Hutman, je vais sous l'eau, Roya. Oh, mets-moi la compétence, je peux respirer sous l'eau. Ouais, ça c'est trop. Ah, laisse tomber. Tu m'as mis dans un bourbier, je vais dormir à la minuit 19. Astaghfirullah. T'as fait des opérations, t'es à la peau et tout. Bien le filet pour que ça tienne. Très bien. Après, tu l'emmènes en salle de réveil. Ah, c'est bon. Hygiène, perfusion. Alhamdulillah. Et t'attends qu'il se réveille. Très bon, salle de réveil, c'est bon. Ah, je vais me réveiller direct. Tu vas avoir des branchies, oh là, comme un poisson. Voilà, papillot au four. Monsieur aura la chambre VIP. Voilà, on dirait on va me cuire. Chambre VIP, t'as mis de chambre VIP, rien. Ah ouais, chambre VIP carrément. Ah ouais. Je tiens la porte. On est plutôt pas. Ah, on est plutôt pas mal. Je vais laisser chambre VIP. Hein. Mais je vais rester dormir là, c'est réel. Hein. Vous êtes réveillé, monsieur? Oui, j'ai une sonnerie de téléphone qui m'a. Allez, on va enlever l'oxygène. Il m'a réveillé. Voilà. Merci, monsieur. Comment vous vous sentez? Papa, c'est toi? Ça va. Ça va. Hein? Papa, c'est toi? Voyons, papa. Ça recommence. Alors, je vais vous laisser me présenter votre carte d'identité. Ça, papa, c'est toi? Comment ça, papa, c'est toi? Que vous entendez des voix, monsieur? Non, j'entends rien. Oh, les toilettes, comment ils sont halas de fou. Ah, on a mis dans la chambre VIP. Hein. Hey, Junior, profite, t'as les douches et tout. Hein. C'est gratuit. Vous avez vu, c'est bien fait. Hein. C'est normal que ça pique un peu. De la haute couture, de la haute couture. Ça bien. Hein. C'est normal, ça pique un peu quand je bouge le bras comme ça. Ouais, c'est normal, monsieur, c'est la cicatrisation qui va commencer à se faire. Ah oui, d'accord, donc d'accord. Et on en est où, là? Donc, là, je peux sortir, là, monsieur, ou... Là, ouais, bah, va falloir beaucoup de repos. Je vais vous prescrire des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antidouleurs, hein, et dans 48 heures pour retirer tous les pansements. Vous lui avez fait la facture, monsieur? Pas encore, non. Ah, ouais, faut faire la facture, bah oui. Et du coup, on vous met un traitement au tilapia pendant 2 à 3 jours. Cambre-toi. Que vous avez tout compris. Cambre-toi. Pourquoi faire? Je te la mets. Ah, non, monsieur, je suis pas ce bord-là, excusez-moi. Tout bien. Faut appeler du renfort. Là, il commence à péter un câble. Là, c'est l'enfance qui remonte à la surface, là. Allez, laissez-moi dormir ici. Laissez-moi dormir, là. Je vais dormir ici, monsieur. C'est le mieux à faire. Viens, on va conduire l'avion. Hey, j'ai failli quitter, wesh. Je sais, c'est pour ça que je me suis dépêché. Ah, la vache. Ah ouais, l'avion. Ah ouais, je le conduis cash. Monte le plus haut, regarde, tu fais looping. Le plus haut. T'es encore tombé dans mon piège, putain. Bon, allez. Allez, Roya, bonne soirée.